C'est un festival qui est né autour de l'idée de partager autre chose que des rencontres sportives avec les enfants des IME, parce que tous n'ont pas accès au sport, encore moins au sport collectif. Et du coup, ça permettait d'avoir une autre forme de rencontre autour de la culture, et notamment du cinéma, parce que on réalisait déjà en interne quelques petits courts-métrages, et on s'est dit que peut-être dans les autres établissements, ils le faisaient aussi, et qu'on avait sûrement un intérêt à partager autour de ça. Donc, c'est ce qui nous a mis l'amorce, enfin voilà, qui nous a fait partir là-dessus. Et aujourd'hui... J'ai vu qu'il y avait aussi le collège Jean Boudiou, l'ULIS. Manifestez-vous là, faites voir, vous êtes là. Ouais, bonjour ULIS. J'ai vu qu'il y avait Boule qui était arrivé. Bonjour, on fait coucou. La Boinière de Château-Renaud. Ils viennent de loin, ils viennent de s'arriver. Valencé, est-ce qu'ils sont là, Valencé? Bonjour Valencé, vous allez bien? Ouais, la route était bonne, pas trop long. Alors Valencé, pour ceux qui ne savent pas, c'est vachement long aussi. Il y a quoi? 2 heures? C'est parti pour coup de foudre. Eh ben, comme d'habitude, super, enfin voilà, du boulot, de l'émotion. Non, enfin c'est génial, ouais. Ouais, ça me conforte dans l'idée de faire ça. On sent que les membres prennent du plaisir à le faire et c'est le kiff quoi. On a fait 9 éditions, en fait les 10 ans l'année prochaine, on espère que ça va continuer encore longtemps. Donc on regarde les productions que chacun a fait dans l'année sur un thème choisi par les enfants. Et puis on passe la journée conviviale avec un pique-nique, un goûter, remise de prix, distribution de bonbons. Enfin voilà, un moment où les enfants s'amusent et peuvent voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ont fait les autres, et puis les valoriser pour leur travail, quoi. Donc le prix spécial du jury est attribué à Petite Marie Comté des Étoiles. Coup de foudre. Donc c'est Voyage dans les étoiles, BME de Joseph Perrin à Rondrantin. J'ai calculé CM2, Francis, on voit pas. Bravo les enfants pour cette participation. Le prix de la créativité, la légende des 7 frères. Ce qui me plaît, c'est un engagement que j'ai déjà au quotidien dans mon métier, mais en particulier sur ce festival, parce que je trouve que ça permet à tous les enfants d'être mis en valeur. Notre travail, nous, derrière, c'est justement d'arriver à
à valoriser celui qui, malgré ses difficultés, a quand même du capable, du possible. Et voilà, je trouve que l'avantage de faire des films avec, avec les enfants qu'on a en IME, ça permet de se voir à l'écran, d'être super fier, de pouvoir se déguiser, de s'amuser. On a le droit de se tromper en plus, parce qu'on efface, on recommence. Donc, ouais, c'est que du bonheur. Puis peut-être que moi, je suis resté aussi un mot, mais que je m'amuse autant que là-dessus. Donc voilà, c'est un plaisir partagé, c'est communicatif et ça passe super bien.